Je prie. Ouais, non, mais là, je hurle. Je hurle. Ah non, non, mais je hurle et je... Tu vas me rendre la sournoise, hein, sournoise, si jamais. Ouais, ouais, mais ce que je vais faire, c'est que je vais surtout... Ah, je vais tenter un truc de fou. Vu que je suis petit et que la table est assez haute, ah oui, tu passes je vais passer, je vais glisser en dessous parce qu'il y a du son partout, donc je suppose que tu vas te glisser un peu trop loin. Je peux, je peux glisser si. Il va te manger le bar. Je vais essayer de faire une acrobatie pour en fait me plonger sous la table et puis me relever juste derrière, tu sais, passer par en dessous comme ouais, ça l'attaque. Sur la table. Tac. Revenir ici et puis en profiter pour couper les jarrets. Pour essayer de ouais, couper les jarrets du loup-garou là, parce que ça va pas là. Y'en a marre. Hein. Y'en a marre. Donc du coup je te fais Tu peux passer sous la table en courant les bras levés sans problème. Hein. quand même, je fais 90 cm. Bon. Donc du coup je te fais un jet en acrobatie. S'il te plaît, ouais. Caché ou pas caché? Pas caché. Pas caché, il te dira tout de suite ce qui t'arrive. Hein. Hop, 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 le pied de la table. Non, 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 ah, j'utilise mon joker. Appelle un ami, les 50-50. T'as pas de. Sur un 1, j'ai le droit de relancer. Pas de compétence, y a pas de fumble, c'est sur les jets d'attaque. Ah merde. Donc c'est pas un fumble. Ah putain, 11. Est-ce que je réussis ou pas quand même? Oui, tu réussis. Ah, merde. Et j'en profite effectivement pour... les effets spéciaux. Oh, les effets spéciaux, c'est incroyable. On y croit. Et du coup, bah, j'attaque. Je lui place Clairdon dans les... Parti. Dans le comment... Les roustons, ça arrive. Ouais, ouais, je pense que ça va être dans les tendons. Là où je peux, parce qu'il a une armure. Hein. Allez, on y croit. Roulement de tambour. Ça touche. Putain, ça touche. Incroyable. Alors, donc ça fait. Ça, c'est les dégâts de l'épée. Attends, il a résisté là? Pourquoi il a résisté? Parce qu'on a oublié de scripter ton épée courte en magic. Elle est pas magique. En dégâts magiques. On l'a pas mis l'effet magique. Bah, si elle est pas magique, elle est pas magique. Attends, je le mets. Piercing et magic. Voilà. Donc il prend quand même les dégâts, c'est ça? Ouais, 7. Par contre, ouais, mais ma sournoise... Ma sournoise, elle est pas magique. Elle est pas magique. J'ai rajouté les dégâts. Tu l'as rajouté? Ok. Alors du coup... Ça c'est délicat, la sournoise, est-ce que c'est magique? Parce que c'est les mêmes dégâts que la sournoise que... Bah c'est l'arme. C'est pas une attaque supplémentaire. C'est des dégâts en plus sur... C'est des dégâts supplémentaires sur la même attaque. Oui, mais c'est l'épée donc qui fait les dégâts sournoises. Il aurait dû normalement faire le plus 6 directement l'attaque de l'épée. Non, la sournoise, attention, c'est parce que je suis voleur et je sais où frapper en fait, et où ça le fait le plus. Ça fait... J'ajuste mon coup quelque part où ça fait très mal. C'est dommage. C'est donc... sur le même coup. Donc oui. L'attaque est considérée magique, elle passe. Oui c'est ça. Donc tes dégâts sont magiques. Tu peux pas avoir de résistance sur le script. De sournoise, il faut que tu rajoutes magic puisque tu les fais avec une arme magique. D'accord. Donc, par contre, si tu les faisais avec un carreau d'arbalète, là ça marche pas quoi. Ah, attends, je rajoute. Si tu veux que ça passe, ou sinon je le fais à la main. Non, non, je vais le faire. Mais moi je considère que c'est tous mes dégâts que j'ai fait en sournoise. Oui, sont... mais si tu le fais avec un carreau d'arbalète, ce sera pas des dégâts magiques, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est scripté, mais que ça dépend de l'arme que tu utilises. Ah, putain, super, 8 points. Ouais, c'est dommage. Ouais. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais c'est dommage, Elian. Allez, chez Tarn, c'est à toi. Bah, il voit que tout le monde se bat, sauf lui, quoi, quand même. Hein. Ah oui, c'est ça, quoi. J'en profite rapidement pour dire bonjour à la cale qui vient de passer sur Twitch. Pour toi, quoi? Pour moi, ça se discute que je me batte. Bah... Oui, c'est sûr. Je vais à côté du Bafit. Qu'est-ce que c'est, rigolo. Bah oui, tiens, voyons. On va tout de suite voir ce qu'il fait. Il s'appelle Bafit parce qu'il donne des baffes.
C'est ça. Non, mais j'y retourne au combat, mais je me fous là. Et je donne qu'un coup, quoi. Et tu l'as pas encore entendu ouais, faire des blagues. Et remarque, je sais même pas si je donne un coup ou deux coups, si j'ai le droit à deux coups. J'ai le droit à deux coups, non? Et tu as le droit de faire tes attaques, si tu fais qu'un déplacement normal. Oui, de toute façon, voilà, hop. Y a que si tu fais un double déplacement, et l'action se précipiter, que tu as pas le droit de faire d'attaque. De toute façon, on est dans la merde. Pas raté. Ben ça baffit, bon, il attaque, mais voilà. Ouais, il est plus facile à toucher, Baffit, hein. Comment ? Il est plus facile à toucher, enfin il prend des dégâts plus facilement, quoi. Tu penses déjà au combat suivant, mais Baffit, non, il se régénère. Non, mais Baffit, là... Succès, oh, succès. J'ai promis jeu de protection. Parfait. Bien. Ah, c'est passé au vert. Ah, pardon. C'est trop vite, c'est moi. Excellent, c'est passé au vert. Je croyais que tu pouvais pas passer ton round, mais si, t'es si, pas je peux passer. Excuse-moi. Tutut. Vain. Oh, il va tuer son frère, ah, c'est bien ça. J'y croyais pas. Voilà. Ah bah voilà. Et j'ai un D6 en plus, alors je sais pas si il se double aussi. Il est mort. Et il est mort, hein. Il est mort. Attends, t'as déjà 8 57D là. Oh le jaloux. Il a fait plein de 1 mais. Bon, je vais bouler là. Ça bouille. Bon, bah il reste ma fille. Oh là là. Est-ce que vous croyez qu'on peut sympathiser avec le Baffit? J'aime bien comme sort mineur quand même. Bonjour. 4D10, 2D6, c'est un sort mineur. Ovik, c'est quoi? Vous voyez que Altiris fait une petite danse. Petite gigue. Gigue d'Altiris. Clovic. Il sait pas quoi faire. De quoi, Clovic? C'est à toi, hein? Bah, c'est à toi. Oui, c'est à lui. Il est triste parce que son frère est mort ou? Bah, c'est ça, il s'approche de son frère, un tout haut qui. Oui, qui lui parle, il le tient. Il y a une énorme créature à côté de lui. Il parle à gère, effectivement. Il lui donne une potion de soin. Allez, bois mon frère, tiens. Dans sa troisième forme. C'est ça. C'est super saiyan, quoi. Après. Oh la vache. Ouais, ben... Et vous voyez que Baffit fait demi-tour. Hein? Je vais parler MJ. Et il ouvre la porte et il se barre. Sans même vous parler, il s'en va. Moi j'en profite pour reprendre une potion vide de soins dans mon inventaire. Ouais, t'en as une puisque tu lui as filé à. Oui, bah, j'en ai même 4 si tu veux donc. Ah okay. Et ouais. Du coup je remplis de sang. Je mets la fiole en fait à la jugulaire de d'Hector. Ah, je croyais que tu prenais à la mienne. Ah non. Ouais, je pourrais aussi, tu vois, on sait jamais. Ouais, je sais, mais bon, la première chose que je fais, c'est d'abord le sang de récupérer du sang du loup-garou, quoi. Ah, des priorités. Ah bah oui, complètement, complètement. On sait jamais s'il se rend sort ou si ça sèche tout de suite. Ouais, j'ai plus de potion de soin, je suis désolé. Et puis, effectivement, après, je vais quand même utiliser une potion de sève vitale que j'ai sur notre ami Bénédicte. Ah oui, j'ai de la sève vitale. Je l'utilise. Hein. Donc c'est 3d6 plus 3. 3. Ah, par contre, j'en ai plus, là. C'est fini. Zero. Je retire, c'est ça? Bah, tu tires des points de vie, oui. 36 plus 3, un point de vie, tu te rajoutes. Et si t'as d'autres fioles vides, on va peut-être les remplir de sang au cas où on se retrouverait à courir à chacun. À que chacun remplisse une fiole chacun de sang. Chacun en ait une au cas où. Au cas où, oui. C'est un carnage. Ah bah là, c'est un carnage, ouais. Ah là, vous soufflez parce que ça n'est fallu effectivement de peu. Le moins qu'on puisse dire. Ça passait large. Ah ouais, bah large.
Du coup, je vais peut-être me prendre une potion, moi, parce que je suis pas dans un état complètement. Sauf si Bénédicte a des. des soins de masse. A des soins de masse, ouais. Non, alors, non, je ne. Toujours pas. Non, toujours pas. Bon, bah. Par contre, je vais peut-être me faire. Enfin, il y a Chétard aussi. Il me reste un petit peu d'impôts. T'as combien de dégâts, toi? Faut réduire les impôts. Le comment dire, il nous faut du sang cette nuit, donc on l'a eu, le sang. Vous avez tous les ingrédients maintenant. Et, alors, et le comment ça s'appelle, on a encore combien de jours après le avoir le tonnerre demain. Donc on peut dormir. Hein, il faut aller à la tour et activer la chronosphère demain. Ouais. Mais pour ça, fait, il faut retourner à la tour d'imagerie d'Urbus pour récupérer la chronosphère parce qu'on l'avait pas sur vous. Ouais, moi je serais quand même partant pour aller voir là-haut ce qui se passe, quoi. Là-haut. À l'étage. À l'étage, ouais. Pour voir si on trouve pas des informations, soit des déjà sur Hector, est-ce qu'il y a des informations sur lui? Il s'est retransformé en humain, je suppose, après avoir été tué. Il s'est effectivement retransformé en humain après avoir été tué. Bah, on peut peut-être déjà voir s'il a des choses sur lui, quoi. Et tout à fait. Et Clovic, il le prend comment? Ah, il pleure. Il pleure son frère. Pleure, tu pisseras moins. Merci, Bénédicte. Alors, d'abord, tu veux commencer par... Voir ce qu'il a sur lui, effectivement, les gardes, je m'en fous un peu, savoir s'il a des... Tu sais, il a peut-être des parchemins des parchemins d'informations sur lui, des choses qu'on pourrait utiliser pour plus tard, quoi, en fait. Enfin, je sais pas, hein, je... Il risque d'y avoir d'autres gardes, d'autres, etc. Ouais. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le miroir pour prendre sa... Son apparence ? Son apparence. Tu vas prendre toi son apparence ? Ouais. Ça, c'est une très très bonne idée. Je vais me foutre un espèce de foulard ou une écharpe ou un truc encore ensanglanté autour du cou pour justifier que je peux plus parler. Et puis... Ah, tu peux pas prendre sa voix, en fait ? Non, non. Oh. Et puis, il vaut mieux pas que je fasse... le mariole à faire croire que je Est-ce que tu prends l'apparence de ses vêtements ? Parce que... Par contre, je vais prendre ses vêtements, du coup. Je crois... Non, si... Sinon, si, tu si, seras si, tout nu, hein. Si, je peux, ça. Si, alors, je regarde, mais logiquement, ouais, j'ai la même chose. Me donner une autre... Je voulais faire la même chose, mais comme tu l'as... vous faites si tu veux le faire, toi, hein. Y compris vos vêtements, votre armure, vos armes et les autres objets en votre possession. Prennent une apparence différente jusqu'à la fin du sort. Non, c'est ça, de toute façon, c'est la même chose, toi. Le miroir tronqué. Oui, mais c'est le sort de déguisement, en fait, que t'as. D'accord. C'est la même chose, ça prend une apparence différente jusqu'à la fin du sort ou jusqu'à ce que vous utilisiez une action pour y mettre un terme. Gna 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 gna. Vous pouvez passer pour une personne de 30 cm de plus ou de moins. Ouais, 30 cm de plus, moi. Hector qui fait. Je me transforme en Hector qui fait 1m20 si tu veux. Ça va pas être crédible. Ensuite, il faut pas qu'il dépasse 1m90 quand même. Hein. Ouais, mais c'est de plus ou de moins, faire, tu vois, c'est un... Ouais. Le maximum, c'est 30 cm, donc... Chez moi, ça passera pas, quoi. excusez-moi, j'ai reçu un sort de rapétissement. Il y a un con de magicien dans le dos, là. Alors, sur Hector, c'est simple. Son épée... De main qui est incrusté le motif d'argent semble manifestement magique. Hein. De plus, vous avez subi des dégâts nécrotiques, donc vous savez que c'était une arme impie en tout cas. D'ailleurs, tu évites trop d'y toucher. Hein. Tes sens de paladin, tes poils s'hérissent rien que s'approcher de l'arme. Tu sais que c'est une arme infiniment mauvaise. Son armure, quant à elle, est forcément magique. Puisque vous l'avez vu s'agrandir au fur et à mesure qu'il grandissait en forme hybride de loup-garou. Elle a pris place hein, et a continué à rester en place sur lui. Quoi. C'est quoi comme armure ? C'est un arnois ? C'est... Une demi-plaque. Demi-plate. Demi-plate ? Ouais. Ça pourrait t'intéresser, Béli ? Tu as fait déjà des choses, je crois, ton armure, non ? Ouais, elle me donne... T'as resté en sous-feu, toi, alors.
de fin. Ouais. Ouais. Et c'est une armure qui donne combien de base à la... Ouais, la tienne est mieux, je crois. En équipe de dragon. Elle donne 7 points de classe d'armure en tout, toi. Ouais. C'est ça. 7 points, non, la sienne donne que 6, quoi. Pour le coup, ça vous intéresse pas spécialement, du coup. On planque le cadavre de Hector sous la table. On déplace la table, quoi. Ou on déplace la table. À l'étage, j'avais même prévu la battle map si le combat avait lieu en haut. Mais on s'en fout, hein, je vais pas le montrer, ça sert à rien. Surtout, on recherche l'orbe, bon, qui sert plus à rien, mais... Bah si, bah, je vais la montrer. Oh bah oui, parce que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait pour rien, voilà, c'est... Je l'ai pas fait pour rien, on montre quand même. Oh, c'est joli. Quelle belle map. Ouais, mais c'est pas moi qui fais la... J'ai fait les effets, j'ai flouté, j'ai équipé, on va dire, on s'en fout. Il y a l'air d'avoir pas mal de Dominien, ça c'est bon, ils ont pas réussi à s'entendre, vous les avez un peu empêchés de s'entendre tous les deux, on devait attaquer l'un puis l'autre. Vous récupérez effectivement du sang de loup-garou, mais aussi, je retrouve, putain, je prends le bouquin je crois, parce que je m'y perds sur mon... Voilà. Sur Fantasy Ground. Ouais, sur Fantasy Ground. Ouais, on a le temps, de toute façon, on en profite pour fouiller, quoi. Puis il y a des lits, tout ça, c'est sympa. On peut peut-être même dormir, là. Bah, c'est simple. Effectivement, en haut, il y a les appartements de Dominion. Hein. Et caché dans une de ses affaires, il y a le fameux cristal aussi qui contient l'âme de loup-garou de Clovic. C'est ça, ouais. Ah, au moins, et ben, il vous demande s'il peut. Enfin, il vous demande pas d'ailleurs, il veut la récupérer quoi. Oui, bah il n'y a pas de problème. Sans la casser évidemment, hein, puisque vous avez du sang. Vous avez je jette tiens. Pas de tiens. Problème, ouais. Attrape Oups. Tu vois là, ça ferait un bon cliffhanger pour la partie d'après. Hein. Qui va se transformer en loup-garou? Moi je dis pas non. Ou est-ce que ça me changera quelque chose? Bah oui, tu te transformes de chat en loup. Le chat qui se transforme en chien, c'est non, t'as des poils plus longs, c'est plutôt l'angora en toi qui surgit. C'est des poils plus longs. Je cherche à ma... Ah, pour te brosser après, c'est relou, quoi. Ça fait des nœuds, tout ça... Vous voyez que très rapidement, vous avez remarqué que tous les écorchés et les trolls sont en ville, mais au lieu de faire des patrouilles, ils semblent complètement désorganisés. Ils courent dans les rues, ils errent sans but dans la ville. Il y a toujours des morrigans hein, partout dans toute la ville. Mais ils sont plus contrôlés. Mais ouais, ils sont complètement désorganisés. Là où avant, vous voyez vraiment des patrouilles et des groupes, là, ils sont complètement désorganisés, quoi. Ça peut jouer en notre faveur, ça. Dans la plus vaste chambre à l'étage, vous trouvez donc que c'était forcément la chambre de Dominia. Il y avait aussi apparemment dans la chambre à côté le fameux Baphit. Ça devait être son esclave sur lequel elle avait une emprise totale. Vous voyez que les chaînes ont été arrachées, vous dites peut-être que c'est la mort de Dominia qui a fait qu'il a réussi à se libérer et récupérer ses esprits. Quoi. C'est la seule... explication logique que vous trouviez quoi. Dans la chambre de Dominia, sur la cheminée, on peut trouver une petite bourse qui contient 50 pièces d'or. Enfin, il y avait une bourse. Ouais, on aurait pu trouver une, une bourse. C'est ça. Non. Je... Faut le faire à chaque fois quoi. Oh, non. Il y a toujours la bourse, il y a plus dedans, c'est tout. Et là, c'est un petit peu plus glauque. Pour une valeur d'environ 300 pièces d'or de bijoux. Mais vous savez que ces bijoux viennent certainement des cadavres qui ont été récupérés dans le cimetière.
Ok, d'accord. C'est des, ils ont pillé des multiples bagues avec des sceaux, des bijoux, des boucles d'oreilles diverses et variées. Des colliers avec des noms, des gravures différentes. Ouais, faut pas y toucher à ça. Bah, disons que, ouais, faudra bien les rendre aux gens. Bon, ça va être difficile de retrouver à qui ça appartient, quoi. Donc moi je propose que je les prenne et je propose qu'on les laisse ici là et on verra plus tard. Je partage les 30 pièces d'or quand même. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Et vous aviez déjà des sous dans... Allez, hop. Il y en avait déjà dans le pot commun. Ce serait dommage que les familles ne retrouvent pas les bijoux de leur mort quand même, hein. Bah oui, c'est ce que je me disais. Ouais, mais bon, comment veux-tu retrouver les morts à qui appartiennent ces bijoux? C'est pas possible, Bénédicte. Tu rends bien compte que... Tu m'étonnerais. Attendez, je vais regarder. Non, pas de nom. Non, y a rien. Non, y a rien. Dans la fiche de groupe, il y a marqué bijoux divers. Si tu Je pense pas que nous avons d'autres chats à fouetter. Ouais, je t'arme, viens là. Pas d'accord. Ah, la blague. Il y a donc pas mal d'outils de torture aussi, à l'étage. Et ce fameux gros cristal noir, donc de 25 cm de haut, à la surface glacée. Vous voyez que c'est donc le fameux cristal qui contiendrait l'âme de loup de Clovic. Bah, on lui a rendu, de toute façon. C'est... Ouais. Des ouvrages sur la magie noire et les morts vivants sont posés près du lit. Bah, ça peut peut-être intéresser Talkiris. Bah bon, c'est mauvais, ça, faut pas prendre. Oui, non, mais c'est pas une question de l'utiliser. C'est une question de savoir comment ils ont fait et peut-être y a-t-il un moyen de les détruire sans les attaquer. Il y a peut-être un moyen magique ou de connaître. Les sorts de nécronomes. Voilà, c'est ça, c'est juste. Pour pouvoir les contrer. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec cet arme. C'est pas parce que c'est mauvais qu'on peut pas l'utiliser. Là, on retourne à la tour et on dort, c'est ça? Ah, on va récupérer on ici et on retourne à la tour. Après. Ah, mais moi, si personne ne récupère les trucs, je récupère hein, les machins, je prends un sac. Non, mais les bouquins. Mais non, mais c'est surtout les livres en fait, parce que les livres ça peut intéresser Altiris qui pourra peut-être trouver une solution pour détruire les morts vivants. Comment ça, non, Altiris? Tu trouves qu'il y a la tête de quelqu'un d'intéressé, regarde. Bah. Il y a trois livres, ils sont dans la fiche de groupe. Vous prenez. Tu prends pas les livres de Necromancie? Altiris, c'est pour ton savoir personnel, ça peut peut-être après... tu peux Max, trouver des informations. Je doute que tu puisses encore bouger, vu que tu récupères tout ce que tu trouves... Non, c'est pas vrai, je récupère pas tout. Tu remarqueras que les bijoux sont encore sur la table, je n'y ai pas touché. Non, c'est vrai? Bah, t'as qu'à regarder. Je regarde d'un air incrédule les bijoux sur la table. Ah oui, ils sont là. Ah oui. Il descendra juste le dernier ou il reviendra cette nuit. Non, bah, non, j'ai pas besoin de ça. Hein. Tu veux dire que t'as piqué tellement de sous que jusqu'à présent. Il y a quelqu'un qui a pris les bichos, c'est pas moi. Ouais, faudrait pas que ça se voit. C'est dommage que ça se voit. Je les vois pas, mais j'en vois c'est où. Ouais, Altiris, il faudra rendre les bijoux, hein. Regarde, tu fais ça. Tu fais... Hop. Bénédicte, y'a plus les bijoux sur la table. Alors, parlons bien, parlons peu. Vous allez vous reposer où? À la tour. À la tour, ouais. La tour du mage. Vous arrivez à la tour du mage sans aucune difficulté. Comme je vous ai dit, les morts vivants sont assez désorganisés. Toujours la petite commode qui bloque la tour. Toujours. Aucun problème. Vous avez pu récupérer pas de mauvaise surprise. Vous retournez à la tour. Et tous les morts vivants sont rentrés dans la tour pendant que nous, on était... J'ai fait passer un roulon, donc vous récupérez tout. Oh, c'est bon. Vous embêterait d'arrêter là? Non, on va arrêter là, mais c'est un petit peu dommage dans le sens où si tu peux attendre... Attendez, je... Tu peux attendre 20 minutes? Non, il y a une autre scène. Par contre, je vais pas vous. On est vraiment à la fin du chapitre. Je vous demanderai pour la prochaine fois, qui sera je sais pas quand, de préparer votre augmentation de niveau. Ok, ça marche. Ok.